Lors de cette quatrième journée, le PSG n'a toujours pas réussi à gagner. Pire, battu par la Sage Ajax en but à 0 à la 72e sur un pénalty de Pedretti. Le PSG perd 7 places et passe de la 9e à la 16e position. La Sage Ajaccio est une place derrière. Nouveau leader en Ligue 1, c'est Valencien qui s'impose 5 buts à 0. Le premier but, il est donc inscrit par Anthony Le Tallec à la 19e qui profite de l'hésitation de Lucas. But de Waris à la 33e suivi d'un doublé de Le Tallec à la 37e, Ridal Poépon à la 42e pour le 4 à 0 et Jean-Louis Lucas pour le 5 à 0. Bastia est avant-dernier, Valenciennes est leader. Le RC Lens et les Malherbes de Caen, les deux promus, n'ont su faire mieux que le match nul et donc se départager. Lens est 11e, Caen est 6e. Les Girondins de Bordeaux et Nice n'ont su faire mieux eux aussi que le nul. Bordeaux est 7e, l'OGC Nice, lui, est 10e. Évian, Nantes 0-0. Les Évianais sont 8e. Le FC Nantes, lui, n'est pas si loin. 9e. Lyon-Toulouse, depuis le départ de Lacazette vers son nouveau club, l'Espagnol Barcelone, les Lyonnais n'y arrivent pas et sont même battus 1-0 à domicile grâce à ce but de Brest-Ouest. Les Lyonnais perdent plusieurs places au classement, en perdent 9 et passent de la 3e à la 12e position. Toulouse est 2e à 1 point de Valenciennes. Sochaux, Guingamp, 2-0 pour les Doubis grâce à un doublé de Sopinansozo aux 89e et 92e minutes. Sochaux est 3e, l'en avant de Guingamp et 18e barragiste. Le FC Nantes